cette journée qui a vraiment bien commencé, avec des questions, des interventions et des débats de grande qualité. On a poursuivi sur la même lancée avec nos deux orateurs d'abord de l'après-midi. Donc je vais d'abord présenter Frédéric Fruteau de La Clos. Je présenterai Soumaïa Mestiri tout à l'heure. Donc Frédéric Fruteau de La Clos est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Maître de conférence évidemment en philosophie, habilité à diriger des recherches. Il est aussi directeur adjoint du Centre des philosophies modernes de cette même université et directeur adjoint des éditions de la Sorbonne. Alors je pense qu'un fil rouge, il me dira si je ne me trompe pas, un fil rouge du parcours scientifique de Frédéric Fruteau, c'est l'épistémologie, qui est au cœur de nos questions d'aujourd'hui, puisqu'il a publié notamment l'épistémologie d'Émile Meyerson, une anthropologie de la connaissance, chez Vrin en 2009, et puis la psychologie des philosophes de Bergson à Vernon, PUF, donc aux presses universitaires de France en 2012. Ensuite, un livre Deleuze-Lyotard, donc Différence, Deleuze et Lyotard, en 2015, un livre collectif. Et puis alors, un livre qui nous rapproche vraiment des travaux d'aujourd'hui pour lequel nous avons fait appel à lui, nous avons pensé à lui dans cette journée, c'est son ouvrage de 2021, donc tout récent, qui s'appelle « La connaissance des autres », donc publié au CERF. Alors, je passe tout de suite la parole à Frédéric pour une communication intitulée « Existe-t-il des philosophies dans le reste du monde ?» plaidoyer pour une géophilosophie cohérente. Merci beaucoup pour cette présentation et d'abord pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici à Bruxelles avec vous. Alors, je vais voir en effet... ma présence ici, en quelque sorte, puisque je viens de l'épistémologie, j'ai traversé en quelque sorte les sciences humaines, et aujourd'hui je viens vous parler essentiellement d'ethnophilosophie et de géophilosophie. Et évidemment, le point de départ épistémologique et ou anthropologique du parcours n'est pas indifférent à la manière dont je vais aborder la question de l'ethnophilosophie et de la géophilosophie. Je dois dire même que tout ce que je vais pouvoir vous raconter est assez de l'épistémologie et au sens de la théorie de la connaissance, au sens large, puisque je prends l'épistémologie comme synonyme de théorie de la connaissance au sens anglo-saxon, en vérité, d'épistémologie. Et ce sens diffère légèrement du sens qu'a le syntagme en français, où il a plutôt le sens de philosophie des sciences. Mais je vais m'en expliquer dans un instant. Et en vérité, c'est indissociable de ce parcours, dans la mesure où l'idée même d'une philosophie africaine a parfois, souvent, été discutée d'un point de vue épistémologique. Et c'est là, en fait, l'entrée dans le problème, c'est que je vais vous parler, pour commencer, de la critique de la philosophie africaine avec des guillemets, telle qu'on la rencontre sous la plume de Paulin Mutondji, dont il a été question ce matin, posé vers l'Est. Je recommence ? Oui, c'est ça. Je suis désolée. Bon, désolé pour la machine. Du coup, de quoi je parlais ? Non. Oui, je disais, l'ethnophilosophie, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est la possibilité d'une connaissance qui ne soit pas européocentré et qui soit cependant véritablement une connaissance. Ces débats s'ancrent dans des discussions qui, en vérité, sont bien antérieures à la querelle de l'ethnophilosophie qui date des années 60-70. Et l'ancienneté de la discussion m'obligera à remonter et à me remémorer avec vous certaines étapes qui ont conduit à cette querelle. Bon, mais je commence par la querelle elle-même. Au fond, on pourrait à bon droit se réjouir que des philosophes occidentaux, et j'embraye vraiment sur ce qu'Ernest a raconté ce matin et a brillamment thématisé, on pourrait s'attendre à ce que la reconnaissance d'une philosophie africaine soit une bonne chose pour l'Afrique, du point de vue même des Africains. Et Ernest a rappelé l'ambivalence de la reconnaissance dont les Africains faisaient l'objet, puisque malgré tout, la vérité de la philosophie africaine se trouve dans le propos du missionnaire
qui réfléchit après avoir plus ou moins collecté les dires des autochtones. Bon. C'est tout le problème de la philosophie bantoue telle que le père Temple l'a inventée. Cette conception a été vivement attaquée par Paulin Houtondji donc dans les années 70, très exactement avec la parution de son ouvrage de 1977 chez Maspero sur la philosophie africaine entre guillemets, critique de l'ethnophilosophie. Et il lance ce syntagme d'ethnophilosophie qui va se répandre comme une traînée de poudre et qui va donner lieu donc à une querelle sur la possibilité d'une ethnophilosophie. Très, très concrètement, hein, c'est la possibilité donc de reconnaître chez les autres ce qui constitue un des sommets de la rationalité occidentale, à savoir le philosophique. Y a-t-il, oui ou non, chez les Bantous, une philosophie ? Avec cette ambivalence de la part de Tempest même, hein, qui est inscrite au cœur de son projet missionnaire, c'est qu'au fond, reconnaître la philosophie chez les Bantous, c'est aussi bien montrer qu'au fond, ils sont des sujets dignes d'être reconnus, mais aussi bien des sujets dignes d'être convertis. Bon. Alors, la réaction très vive de Paulin Houtondji, elle se focalise pas simplement sur Temples, mais elle concerne plus largement le statut en général du philosophique ailleurs qu'en Occident. Et si je devais résumer la posture d'Houtondji, elle consiste à dire que on aurait bien tort de projeter chez les autres, et en particulier chez les Africains, l'idée même d'une philosophie, car les Africains n'en demandent pas tant, ils ne demandent rien du reste, ils n'ont pas attendu les Occidentaux pour penser et pour penser en termes philosophiques, comme s'il fallait que la pensée soit reconnue comme philosophique pour être digne de l'intérêt des Occidentaux eux-mêmes. Bon, plus largement encore, de la part d'Houtondji, le rejet tient à ce que, au fond, ce que le révérend père Temple s'identifie comme philosophie, ce n'est pas à ses yeux de la philosophie. Tout simplement parce que ce que Temple s'identifie comme de la philosophie, c'est au mieux, et pour le plus grand malheur des Africains, une représentation collective ou un ensemble de représentations collectives. Ce qui est en jeu ici, c'est le rapport qu'on peut avoir avec des idées ou des pensées qui circulent dans des collectifs, et dont la question se pose de savoir si oui ou non ils peuvent en effet, ces éléments idéels, thématiques, être référés à de la philosophie. Là, au fond, ce qui est en jeu, c'est la possibilité d'identifier dans ce que la philosophie allemande du 19e appelle une Weltanschauung, quelque chose qui aurait la consistance du philosophique. Et incidemment, et d'un point de vue disciplinaire, ce qui est en jeu, c'est l'exercice même de la philosophie. De l'anthropologie comme discipline occidentale lorsqu'elle se prend à identifier des idées ou une idéologique dans le matériau idéal rassemblé chez les Africains ou à partir d'un terrain africain. Donc, vous le voyez, la problématique est beaucoup plus large. Ce qui est en jeu, c'est aussi bien le travail de l'anthropologie à travers lequel l'Occident en général prétend se rapporter aux idées des autres. Or, l'appréhension de représentation collective, c'est quelque chose qui relève de la sociologie, c'est quelque chose qui relève de l'anthropologie, mais en aucune façon, ça ne relève de la philosophie. Tout simplement parce que c'est d'abord l'appréhension de quelque chose de collectif et que le collectif et le philosophique sont antinomiques ou incompatibles. Identifier du collectif, c'est identifier quelque chose d'idéal, si on veut, mais ça n'a absolument pas le caractère du philosophique. Incidemment aussi bien, ce qui est en jeu ici, c'est la manière dont l'anthropologie se rapporte à ce matériau, et au fond, l'idée même d'une philosophie africaine est un épisode dans une histoire qui est l'histoire de l'anthropologie occidentale dans ses relations à l'Afrique, qui ne concerne absolument pas les Africains. C'est une affaire interne à l'Occident, qui ne concerne pas les Africains et qui, en outre, hein, il faut vraiment insister sur ce point, ne concerne pas l'essence même du philosophique. Alors, ce que dit très exactement Houtondji, et j'ai là un certain nombre de citations sur lesquelles je vais m'appuyer très rapidement, c'est l'idée que l'ethnophilosophie est une pré-philosophie qui se prend à tort pour une métaphilosophie.
C'est-à-dire qu'au fond, dans les représentations collectives dont s'empare Temples et dont s'empare plus largement encore que Temples, les anthropologues, hein, c'est important de souligner ce point, c'est que ce qui est ici attaqué, hein, ce n'est pas simplement la mission dont se croit investi le révérend Père Temples, c'est plus largement la science occidentale dans sa formation disciplinaire anthropologique. Bon. Là, l'anthropologie ou l'ethnologie, quand elle identifie une philosophie en Afrique, elle s'empare de matériaux qui sont pré-philosophiques et elle croit en faire le matériau d'une conception métaphilosophique, c'est-à-dire le point de départ d'une philosophie comparée qui, au fond, procéderait par juxtaposition de philosophèmes selon les continents considérés. Or, pour Ontonji, qu'il y ait philosophie collective, ça n'a pas de sens, tout simplement parce que au fond, on est là dans l'appréhension d'une vision du monde qu'on suppose donnée d'avance, sous-jacente à toutes nos traditions et à tout notre comportement, et que l'analyse n'a qu'à mettre au jour modestement. C'est, comme le rappelait ce matin Ernest, c'est faire de la prose sans le savoir. L'Africain est philosophe sans le savoir, et selon le mot de Ebussi Bolaga, qui a été rappelé ce matin, c'est au fond le monsieur Jourdain de la philosophie qui se manifeste dans l'Africain philosophant. Or, de ce point de vue, hein, Ontonji est très clair, le débat en question lui-même et l'identification de la philosophie africaine appartient à la littérature scientifique européenne, de même que l'anthropologie est un avatar de la science occidentale, ni plus ni moins. Bon. C'est-à-dire que les écrits des anthropologues occidentaux sur les sociétés africaines, et en particulier sur ce qu'ils identifient dans les sociétés africaines comme de la philosophie africaine, appartient à la littérature scientifique occidentale. Et ça ne concerne absolument pas les Africains. Au-delà même de Temple, ce soit toute l'anthropologie qui est concernée, hein, apparaît très clairement dans les critiques plus nuancées, il est vrai, mais bien réelles, que Ontonji adresse à Marcel Griol, dont le livre « Dieu d'eau », entretien avec le vieux sage Dogon Ogotomeli, suit de peu l'apparition de la philosophie bantoue. On est à la fin des années 40. Or, Griol, croyant par là revaloriser la pensée africaine, estime qu'il y a autant de mythes et des mythes d'une aussi grande valeur chez le Dogon que chez les Grecs. Et donc, au fond, la revalorisation de la pensée des autres passe, et en l'occurrence des autres Africains, enfin des Africains considérés jusqu'ici comme autres, nos autres en quelque sorte, passe par le rapprochement avec ce qui passe pour un des sommets de la rationalité occidentale, à savoir l'avènement de la pensée rationnelle dans la cité grecque antique. Mais justement, si Griol propose une cosmogonie à partir des propos de Ogotemeli, Ontonji ajoute « la cosmogonie n'est pas la philosophie ». Et toute pensée profonde n'est pas de la philosophie, tout penseur n'est pas forcément philosophe. Au fond, ça peut penser partout, et ça pense assurément partout, mais ça ne fait pas pour autant des pensées considérées de la philosophie. Au fond, s'il y a du collectif et qui passe en Afrique par de la littérature orale, des peuples qu'on appelle primitifs, tout cela ne concerne en aucune façon la philosophie. Alors, en vérité, ce qu'il y a derrière tout cela, hein, c'est une certaine conception de la philosophie adossée à une conception de la science. Quand je dis derrière tout cela, je parle évidemment de la critique qu'Ontonji administre de la philosophie africaine. En fait, très clairement, Ontonji s'inscrit dans le droit fil d'une épistémologie historique, et c'est là que je m'approche en quelque sorte de mon point de départ réel dans l'analyse, c'est que Ontonji pense qu'il est possible en ces matières de s'aligner sur l'idée toute bachelardienne d'une coupure épistémologique. Au fond, la philosophie elle-même, elle s'instaure par rupture, tout comme les sciences elles-mêmes s'instaurent par rupture, et en vérité, emboîtant le pas d'un autre bachelardien, à savoir Louis Althusser, Ontonji affirme que les grandes révolutions philosophiques font toujours suite aux grandes révolutions scientifiques, et que la philosophie, donc, dans son développement, elle a partie liée avec la naissance et le développement des sciences. Bon. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est important, c'est l'avènement de la rationalité, et l'avènement de la rationalité philosophique, comme faisant suite à celui de la rationalité scientifique, la philosophie venant redoubler en quelque sorte, ou réfléchir dans la pensée, ce qui s'est produit dans les sciences. Dès lors, la conséquence est assez claire pour Ontonji. Il y aura des philosophes africains
quand au fond, les Africains eux-mêmes, mais qui n'ont d'Africains aucun caractère de pensée essentielle, mais qui sont simplement Africains du fait des conditions contingentes de leur naissance, et donc l'épithète n'a de sens que géographique et en aucune façon philosophique, il n'y aura de philosophe africain que lorsque les Africains se seront emparés du corpus de textes occidentaux. L'Afrique est un continent, le concept d'Afrique est un concept géographique, empirique, et le philosophe africain sera celui qui pensera dans Platon ou dans Marx, et qui, au fond, se mettra à l'école de la philosophie occidentale. Il faut, dit Untonji, se jeter à l'eau, faire de l'histoire de la philosophie, sous-entendu, occidentale. Et donc, de ce point de vue, il y a très clairement deux conceptions de la philosophie, au fond, qui apparaissent en filigrane de la critique d'Untonji. Il y a celle qui apparaît dans l'analyse des systèmes de représentation ou des systèmes de pensée, dans l'analyse toute sociologique ou anthropologique qui fait apparaître une sorte d'unanimisme des idées dans les populations concernées. Ça, c'est la mauvaise conception de la philosophie à laquelle s'adosse toute la science occidentale et qui donne dans ses fruits à la fois les plus célèbres et les moins convaincants, la philosophie bantoue de Temples. Et puis, il y a cette autre conception de la philosophie qui est une conception extrêmement, je disais, bachelardienne, qui est une conception de l'épistémologie comme coupure directement corrélée à la philosophie des sciences, puisque, en vérité, la philosophie elle-même comme discipline séparée est simplement dans l'après-coup des sciences en vue de réfléchir ses résultats. Bon. Alors, ça, c'est... Donc, j'ai restitué, en gros, les enjeux de cette querelle, mais je n'ai fait que produire une note de bas de page sur le texte d'Ernest de ce matin. L'idée, c'est au fond de s'interroger sur, évidemment, la pertinence de la critique d'Untonji, du moins de reconnaître ce qu'elle peut avoir de sain et de justifié, mais aussi bien de s'interroger sur l'étrange conception de la rationalité qui se fait à leur jour. Et du côté de l'Afrique même, les conceptions d'Untonji n'ont pas manqué de susciter, de faire naître des réactions très vives. Alexis Kagame, dont il a été question aussi ce matin, qui a travaillé sur la logique de sa langue maternelle et qui a dit s'inscrire dans le droit fil du travail de Temples, se serait exclamé, alors qu'on l'interrogeait sur Untonji, « Untonji, mais c'est un blanc ». Bon. Kagame n'est pas isolé. Hein. Untonji lui-même a rendu compte des réactions très vives que sa position anti-ethno-philosophique avait suscité sur le continent africain. Et il a ainsi rendu compte du travail de l'historien Nyamke, mais aussi bien de son collègue philosophe Yoruba Ai, et d'autres encore. Bon, à chaque fois, en vérité, ce qui est en jeu, c'est un certain rapport à la philosophie, parce que, précisément, ces philosophes africains, d'ailleurs en s'adossant, pour certains d'entre eux, à des conceptions occidentales, font valoir la possibilité d'une autre définition de la philosophie que celle avancée par Untonji, et la possibilité d'identifier effectivement du philosophique dans ce que, assez dédaigneusement, au fond, Untonji avait ramené à de simples représentations collectives. Ainsi, Nyamke, en emboîtant le pas de Gramsci, a pu affirmer la logicité de la philosophie spontanée et déplorer les hagiographies de la pensée grecque qu'on trouve chez certains chantres du miracle grec en Occident. Il y a, du point de vue de Haï, une trahison des clercs, sachant que, de son point de vue aussi, il faut accorder toute sa place à ce que Gramsci appelait une philosophie spontanée des masses, et qu'il faut, en vérité, opposer aux spéculations de philosophes abstraits. Bon. Alors, la vérité est que, bon, dans cette querelle, il y a eu des échanges assez vifs, et parfois des attaques ad hominem, et de ce point de vue, Untonji a de bonnes raisons d'avoir été contrarié par le tour pris par les débats. Mais il est vrai que dans les attaques, même parfois ad hominem, il y a quelque chose qui mérite d'être relevé. C'est au fond le parcours d'Untonji lui-même. Untonji, c'est un ancien sujet de l'Empire colonial, un sujet brillant, qui, au fond, a un parcours d'excellence au sein même de l'Empire, puisqu'il a intégré l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, qu'il a passé l'agrégation de philosophie qu'il a obtenue,
Et il s'est engagé successivement dans différents doctorats, alors qu'il a, pour certains, mené à terme et pour d'autres, abandonné, mais des doctorats de thèse, d'abord une thèse d'État et puis finalement un troisième cycle, en particulier consacré à la philosophie de Husserl. Et il a travaillé dans le voisinage de Ricoeur ou Derrida. Et puis, il explique lui-même, dans un texte de 1997, Combat pour le sens, qu'il s'est éloigné de ses travaux académiques parce qu'il a été entraîné par les effets de la querelle ethno-philosophique qu'il avait contribué à faire naître. Alors, je ne veux pas gloser. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la philosophie que, depuis les années 90, Ntondji se reconnaît et la manière dont il met plus ou moins de l'eau dans son vin épistémologiquement raide. Il y a clairement chez lui une tentative, ensuite, dans les années 90, pour revenir à une sorte de noyau de phénoménologie de la connaissance qui fonderait son approche épistémologique dure, disons. Et au fond, il accomplit au fur et à mesure de sa remémoration de son propre parcours dans les années 90 le programme qui s'était fixé et qui n'avait jamais accompli, qui n'avait jamais mené à bien. Alors, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est vraiment la phénoménologie de la connaissance qu'il développe et dont je ne vais pas dire grand-chose, sinon qu'au fond, adossé à une certaine idée de l'ego transcendantal, il produit une conception du cogito qui est apte à fonder toute connaissance et qui ensuite fournit les moyens de suivre à la trace, selon les continents ou les lieux, la production des savoirs. Et donc, au fond, dans un double mouvement de remontée au fondement et de prolongement dans les applications, Ntondji fonde phénoménologiquement son épistémologie et il se tourne vers l'Afrique il se tourne à nouveau vers l'Afrique pour essayer d'identifier les savoirs qui, effectivement, ont été produits en Afrique, qui ont été confisqués ou détournés par la métropole et qu'il s'agit de valoriser à nouveau ou d'encourager. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance idéale ou académique, déjà, comme il y a une dépendance économique. Et Ntondji, par tous ses travaux, mais aussi bien par son action politique, il a été ministre du Bénin, ministre de la Culture, et Ntondji essaie de valoriser le patrimoine scientifique de l'Afrique. Et je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais c'est évident qu'il y a un arrière-plan très franco-français dans tout cela, parce que l'alliance d'une certaine phénoménologie du savoir et de l'épistémologie historique, comme on l'appelle, est une donnée elle-même historique, puisqu'elle est le fait des Bachelard. Je dis des Bachelard parce qu'elle est esquissée par Gaston Bachelard, le grand épistémologue français, le père ou le grand-père de la tradition épistémologique française, et elle est surtout développée, cette idée, par sa fille Suzanne Bachelard dans ses thèses principales et complémentaires consacrées à ce qu'elle appelle, très justement, dans le droit fil de ce que son père avait produit, une conscience de rationalité. Et la conscience de rationalité, elle est explicitée en termes husserliens, de façon à asseoir en quelque sorte phénoménologiquement ou transcendantalement la production des savoirs en Occident et aussi bien en Afrique. Alors, ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est vraiment l'étrangeté de cette position. Alors, il y aurait une première manière de mettre à distance Ntondji en redoublant la critique de Niamke ou de Haye en disant, en effet, c'est un blanc. Et ce n'est pas seulement un blanc, c'est un blanc normalien, agrégé de philo, qui, au fond, dialogue avec ses maîtres Althusser, Derrida, sur la montagne Sainte-Geneviève. Bon. Ça, c'est le côté mesquin, évidemment. Mais c'est parce que la Sorbonne, on est un peu en bas de la montagne, alors on est frustré en termes de hauteur de vue. Et en fait, c'est pas... Ça, c'est un premier temps de l'investigation, en quelque sorte, mais au fond, il y a quelque chose de plus sérieux à discuter. C'est l'idée même de la science et de la philosophie de la science que Ntondji se fait. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, en découvrant ces textes, j'étais à la fois charmé et horrifié. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, et c'est le moment d'y revenir, je viens de l'épistémologie. Mais je viens d'une épistémologie qu'on pourrait dire pré-bachelardienne, si le syntagme lui-même n'impliquait toute une axiologie. Je viens, disons, d'une épistémologie non-bachelardienne ou a-bachelardienne, et que Bachelard s'est employé à critiquer et à enterrer.
Je viens de ce que Isabelle rappelait tout à l'heure, à savoir d'une anthropologie de la connaissance. C'est en ces termes que je qualifierai le travail, que j'ai qualifié le travail d'Emil Meyerson, qui, dès l'année suivant sa mort, est devenu la tête de turc de Gaston Bachelard. Bachelard s'en prend à Meyerson dès 1934, après des lettres relativement serviles à la fin des années 20. Non, mais je ne veux pas trop m'étendre sur les questions de personne. Mais non, et Meyerson était mort en 1933. Ce qui m'intéresse, c'est que Meyerson, c'est à lui qu'on doit le j'espère arriver à un moment à la question de la géophilosophie. Meyerson, on lui doit la fixation du syntagme épistémologie en français. Et Meyerson dit ce mot, et c'est en 1907-1908, au début de son grand livre « Identité et réalité », Meyerson explique qu'il va parler d'épistémologie au sens de la philosophie des sciences, car ce sens tend à devenir d'usage courant en France. Le truc, c'est qu'au moment où il dit ça, Meyerson ajoute immédiatement qu'au fond, il va se conformer à un usage qui, lui, est anglo-saxon. Et cet usage anglo-saxon, c'est l'usage de l'épistémologie comme synonyme de théorie de la connaissance. Or, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Pourquoi ? Parce que Meyerson n'est pas un défenseur de la coupure ou de la rupture épistémologique. Il est, au contraire, le défenseur de la continuité, comme on dit, et comme il le dit lui-même, entre ce qu'il appelle la science et le sens commun. Autant, quand vous rencontrez un bachelardien, si vous lui parlez de connaissance commune, il voit rouge parce que c'est un oxymore, cependant que connaissance scientifique est une redondance. Il va de soi que toute connaissance est scientifique et que dans le commun, il n'y a rien à gagner du point de vue de la connaissance. Or, Meyerson, et de ce point de vue, il est dans la droite ligne de ce qui se fait dans les pays de langue anglaise au 19e et ce qui se fait encore aujourd'hui, en vérité, dans la philosophie dite analytique, il fait fond sur une continuité du sens commun et de la science. C'est quoi l'idée de Meyerson, au fond ? C'est qu'il faut s'employer à identifier partout de la connaissance, tout simplement parce que la connaissance elle-même n'est pas cantonnée à une tradition ou un filon, elle n'est pas cantonnée à un paradigme, pourrait-on dire, mais elle est produite partout, quels que soient les lieux et quelles que soient les circonstances. Le travail de l'épistémologue, tel qu'il l'entend, consiste à se déplacer en pensée à travers l'histoire ou à travers la géographie pour essayer de voir comment ça pense et comment ça connaît partout. Bon. C'est, au fond, une épistémologie historique en un autre sens, hein, mais en un sens qui ne valorise pas la coupure, mais qui s'engage, disons, à qualifier sans disqualifier, alors que l'épistémologie française, elle qualifie toujours pour disqualifier en quelque sorte, ou disons qu'elle ne qualifie pas sans disqualifier dans un autre sens. Bon. Au fond, je vous parle d'Emil Meyerson, cet illustre inconnu, mais j'aurais pu vous parler de gens qui l'ont connu et qui s'en sont réclamés, et vous verriez que vous le connaissez en réalité, parce que Emil Meyerson a été lu et repris par Alexandre Coiré, qui fut son élève, et Alexandre Coiré lui-même a été lu et repris par Thomas Kuhn, qui fut son élève. Et si vous ouvrez la structure des révolutions scientifiques, vous verrez que Thomas Kuhn rend un hommage vibrant, pour commencer, à un certain nombre de figures. Et parmi ces figures, il y a Alexandre Coiré et Emil Meyerson. Au fond, si je devais aller très vite, et je dois aller très vite, ce que fait Emil Meyerson, c'est identifier ce que Kuhn appellera des paradigmes. C'est quoi un paradigme ? Et je pense que le terme vaut d'être pris et repris. C'est, au fond, une certaine nappe de concepts, c'est une certaine idée de rationalité qui se déploie à certains moments, en certains endroits. Au fond, c'est vraiment le modèle ou le métamodèle platonicien qui est ici en jeu. Hein. Le concept, comme diront d'autres, et je m'approche tout près de Deleuze, comme volume de survol ou comme domaine d'auto-survol, en quelque sorte. L'idée de Meyerson, c'est que les hommes, en général, font de la métaphysique comme ils respirent, c'est une citation de lui, et que l'ontologie fait corps avec la science et ne saurait en être séparée. Et au fond, c'est quoi penser ? C'est produire des concepts dont l'ambition est d'expliquer les phénomènes. Une sorte de dualisme tout-terrain, constitué d'un côté des données de la sensation, si on veut, et puis des schèmes explicatifs qui sont projetés sur les phénomènes pour en rendre raison. Et ça, enfin, si vous voulez, ce dualisme-là, hein, il, est,
il est discutable par le Cercle de Vienne, et il a été discuté entre Emil Meyerson et le Cercle de Vienne, et il est discutable jusqu'à Quine et Kuhn compris, qui sont des lecteurs de Meyerson, une référence très significative à Meyerson dans Les deux dogmes de l'empirisme de Quine. En quelque sorte, Meyerson est inconnu, mais vous le connaissez. L'idée qui est assez fascinante dans tout ça, c'est que c'est cet outillage méta-conceptuel ou méta-épistémologique très léger dont Emil Meyerson se dote et qui l'oblige en quelque sorte à passer alliance avec d'autres disciplines que la philosophie. Mais pour retrouver partout du philosophique ou pour travailler à identifier partout du philosophique, du paradigmatique ou du conceptuel. Au fond, l'épistémologie au sens de Meyerson, elle travaille main dans la main avec les historiens et avec les anthropologues, tout simplement parce qu'il lui faut les terrains qui pourront permettre d'identifier les schèmes conceptuels ou les paradigmes qui sont mis en œuvre localement pour rendre raison des phénomènes. Bon. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 15 minutes. Bon, alors, l'idée ici, ce serait de vous montrer que, au fond, ce travail que j'annonçais tout à l'heure d'anamnèse, en quelque sorte, de l'épistémologie française, qui permettrait de faire droit à la consistance des philosophies des autres, en quelque sorte, avec des guillemets à autres, évidemment, dans la mesure où, pour Meyerson, les autres ne sont pas différents de nous. Ce qui est très significatif, c'est la connaissance que prend Meyerson à la fin de sa vie des travaux de Lucien Lévy-Brull. Lucien Lévy-Brull est son grand ami, mais le moins qu'on puisse dire est qu'à partir d'Auguste Comte, ils font une épistémologie diamétralement opposée, puisque ça a été rappelé aussi ce matin, Lucien Lévy-Brull est l'inventeur malheureux du concept de mentalité primitive, dont il a cherché à se dépêtrer dans ses carnets publiés à titre posthume. Mais enfin, le fait est qu'il a quand même consacré une bonne partie de son activité à l'explicitation de la primitivité de la pensée des autres. Ce qui m'intéresse, c'est les interventions à la Société française de philosophie qui permettent à Lévy-Brull d'exposer ses vues sur la mentalité primitive et à ses contemporains de les contester. La première contestation, elle apparaît en 1923, juste après la publication en 1922 de la mentalité primitive, et Lévy-Brull est confronté à Marcel Mauss, qui lui dit que l'idée d'une participation, c'est ça l'idée de la mentalité primitive selon Lévy-Brull, selon la phrase fameuse de l'aventurier Karl von den Steinen, les Bororos sont des Hararas, confession recueillie auprès des Bororos eux-mêmes. Les Indiens Bororos se considèrent eux-mêmes comme identiques à des perroquets Hararas ou Hararas. C'est mieux Hararas pour l'assonance et le voilà avec les Bororos. L'idée de Lévy-Brull, c'est que les Bororos affirment être identiques à des perroquets, tout en sachant qu'ils sont humains. Au fond, il y a un phénomène de participation qui relève de la confusion et qui est le signe, l'indice même d'un mode de pensée prélogique ou d'une indifférence à la logique, dit Lévy-Brull dans ses formulations les moins tranchées. Il y a là l'indice donc d'une confusion logique, d'une indifférence à la logique. Et Mauss lui rétorque qu'au fond, c'est être indifférent à la logicité propre des modes de pensée bororos, puisqu'au fond, ce qu'il s'agirait d'identifier, ce sont des systèmes de ressemblance et des systèmes de différence, et que le mode de pensée bororos articule ressemblance et différence. Et de ce point de vue, le modèle du reste platonicien est en jeu dans ces débats, les bororos sont parfaitement logiques. Cette référence maussienne, elle est au centre des travaux d'anthropologie de la nature aujourd'hui de Philippe Descola. Tout ce qu'il déploie dans son tournant ontologique en anthropologie, dans son anthropologie de la nature, s'adosse à ses propos de Mauss. Et Emil Meyerson, dès 1929, dans une autre discussion à la Société française de philosophie d'un autre ouvrage de Lévy-Brull sur les primitifs, renchérit, et il s'affirme tout à fait d'accord avec Mauss, au fond, il n'y a pas de participation, il n'y a partout que des tentatives d'explication, des efforts pour identifier logiquement le divers des phénomènes. Et là, Emil Meyerson a cette phrase qui devrait, à mon sens, figurer au point de départ de toute entreprise géophilosophique. Si nous étions à leur place, et en l'occurrence à la place des Bororos, nous identifierions comme eux. C'est-à-dire qu'Emil Meyerson lui-même, s'il était dans la forêt amazonienne,
il finirait par se dire « Arara ». Alors, en vérité, ce n'est pas tellement, c'est pas tellement de la science-fiction. Hein. Émile Meyerson, et c'est peut-être le lieu de le souligner, hein, juif polonais de la ville de Lublin, à la frontière avec l'Ukraine, dans cette zone très disputée aujourd'hui, dont toute la famille a été exterminée par les nazis. Meyerson, lui-même, a beaucoup voyagé, d'abord parce qu'avant de venir en France, il s'est arrêté en Allemagne, où il a appris la chimie et l'histoire de la chimie. Et en France, il a attendu un certain temps avant d'être naturalisé. Il n'a jamais occupé de position institutionnelle. Son travail consistait dans des activités de journalisme et de reporter, en quelque sorte. Il sillonnait le monde en vue de produire des rapports pour des agences juives, essentiellement, sur la situation des juifs dans le monde. Ce sont des rapports de géographie humaine, comme disait Jean Brune, qui était professeur d'une chaire de géographie humaine au Collège de France dans ces années-là. Bon. Ce qui m'intéresse dans tout cela, et je vais, dans le peu de temps qui me reste, vous parler enfin de géophilosophie, c'est que, au fond, on a là le principe d'une épistémologie élargie, d'une épistémologie maximalement élargie, en direction de l'histoire et en direction de l'anthropologie. Et Meyerson lui-même n'a pas eu le temps d'aller, évidemment, sur le terrain anthropologique, mais au fond, son terrain, c'était l'histoire, et il se comporte vis-à-vis de l'histoire comme nous devrions nous comporter vis-à-vis de l'anthropologie. C'est-à-dire, au fond, avoir un équipement métaphilosophique léger pour se donner les moyens de rendre raison des processus d'intellection qui se produisent sur le terrain. Et c'est cela que signifie, à mon avis, son affirmation « si nous étions à leur place, nous identifierions comme eux ». L'idée, évidemment, n'est pas de se substituer aux autres, hein, il n'est pas de prendre leur place littéralement et de penser à leur place, hein, il est de, pour employer une expression deleuzienne, de devenir autre, en quelque sorte. Il est de dériver jusqu'à des zones de voisinage et d'indiscernabilité, au fond, de se laisser entraîner dans des processus de déterritorialisation qui nous permettent de voir, de sentir et de penser autrement. Et c'est à peu près ce genre d'expérience, j'insiste, hein, c'est un peu ce genre d'expérience que Meyerson lui-même fait sur l'histoire, hein, où il essaie de penser à la manière d'un alchimiste, il essaie de penser à la manière d'un physicien d'avant Newton, etc. Ce sont ce genre d'expérience de pensée qu'il essaie de mener à bien à travers des documents manuscrits, qui sont les seules sources dont il dispose, évidemment, pour se transporter en pensée. Mais au fond, les anthropologues ne font pas autre chose sur le terrain que de devenir autre ou de se laisser entraîner dans des devenirs qui sont indissolublement existentiels et théoriques. Bon. Alors, de ce point de vue, et c'est au fond ce que j'aurais voulu vous proposer si je n'avais pas décidé au dernier moment de repartir d'Untonji, mais ce que j'aurais voulu, c'est vous proposer justement quelque chose qui ne se laisserait pas prendre aux facilités d'une ethnophilosophie, mais qui se développerait en effet en une géophilosophie cohérente, ce que Mignolo, dont on a parlé aussi ce matin, appelait une corpo-philosophie ou une corpo-connaissance, et puis qui serait corrélée à une géoconnaissance, à bien distinguer des tendances égo-connaissantes et théo-connaissantes de la philosophie occidentale. Bon, mais ça, je ne me lance pas dans cette investigation sur les mérites ou les limites comparées des philosophies. C'est évidemment là, sans doute, des simplifications, si je m'en tenais là, mais je passe. Ce qui m'intéresse, ce serait de se donner les moyens donc, d'une géophilosophie cohérente, c'est ce que j'avais dit, cohérente, dans la mesure où cette idée même d'une géophilosophie que je trouve et que l'on peut trouver dans Qu'est-ce que la philosophie, dans le chapitre de Qu'est-ce que la philosophie qui a pour titre géophilosophie, elle a été entreaperçue par Deleuze, mais pour des raisons, au fond, encore européocentrées, il semble qu'au dernier moment, Deleuze ait reculé. Il a reculé parce que, finalement, la philosophie est demeurée sous sa plume européenne, occidentale. Il a refusé la possibilité d'une philosophie chinoise, d'une philosophie indienne, d'une philosophie islamique, d'une philosophie juive. Enfin, bon, il le refuse dans les termes que j'avais brièvement énoncés dans le résumé que je ne développerai pas. Mais en gros, il oppose les figures des autres pensées au concept de notre philosophie.
Et ça, c'est un peu étonnant et un peu dommage. Mais au fond, je pense que Deleuze n'est pas... Enfin, son anti-platonisme même est le signe de son platonisme foncier. Je pense qu'il y a, un rapport à l'idée ou au concept qui en fait vraiment l'héritier des Grecs. Et bon, il faudrait le montrer sur texte, mais peu importe, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est l'idée même d'une géophilosophie et les ressources qu'on peut trouver, par exemple, chez Émile Meyerson, mais qui seraient à relayer au moyen d'autres pensées et d'autres conceptions. Et il s'agirait, en gros, hein, de voir comment la rationalité se déploie localement, hein, c'est-à-dire, au fond, en procédant à une analyse a posteriori de la pensée, qui ne renonce pas, hein, à l'idée de scientificité ou même d'universalité, mais qui, loin de se la donner d'emblée, essaierait de la saisir après coup, dans les œuvres ou dans les productions idéales en lesquelles cette rationalité s'est développée ou exprimée. Au fond, selon un mot qui circule dans les années 30 en France et qui relaie certaines idées lointainement hegéliennes, l'a priori est toujours l'a posteriori de l'a posteriori. Ou en tout cas, on a une idée de l'a priori qu'après avoir réfléchi sur des produits eux-mêmes seconds au regard de l'activité d'idéation. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, une fois que les gens ont pensé, vous pouvez penser la pensée qui se trouve prise dans les œuvres qu'ils ont produites. Et donc, ça, ce serait donc le point de départ méthodologique, et donc se nourrir à toutes les sources et aller sur tous les terrains, et là, voir comment la rationalité se déploie. Alors, chez Meyerson, c'est toujours relativement simple, entre guillemets, puisque il faut et il suffit d'avoir une chose identifiée pour avoir une rationalisation. Le mouvement, l'oxygène, enfin, vous prenez le continuum espace-temps, chez Einstein, enfin bon, il faut et il suffit d'avoir une chose pour prétendre expliquer et pour expliquer effectivement. Mon idée serait de travailler dans une double direction, mais je ne vais évidemment pas le développer, mais ce serait les éléments d'une géophilosophie cohérente. Du côté des idées elles-mêmes, voir que la thématisation ou la rationalisation se déploie toujours au sein de systèmes présentés comme architectoniques, c'est-à-dire de liaisons complexes, de termes identifiés les uns aux autres, et qu'elle serait ancrée dans un certain territoire, dans les mouvements même du corps pris dans certaines situations. Et au fond, il faudrait corréler systématiquement les schèmes de l'action et les thématisations secondes produites dans le corps à corps des individus avec d'autres individus ou au sein de certains milieux sociaux ou naturels. Donc ça, ce sont les éléments d'une géophilosophie cohérente que je ne peux pas développer, mais que je me contente d'annoncer de la sorte. Voilà, je suis vraiment désolé. Il ne faut pas être désolé, parce que tu as parfaitement tenu le timing. Ah, super. Et vraiment évoqué une belle...